Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange Chiffre 8 et je vous retrouve dans ce sixième épisode de l'event de Final Fantasy XII. Et donc nous attaquons la sixième île, bien entendu, hein. Et donc on va aller atterrir sur l'île du Roi Dieu. Oula, ça bouffe tout le monde là. C'est quoi l'arnaque là? Ça bouffe que lui là. Pas d'accord? Voilà, non mais. Mais dis donc, c'est qu'il y en a qui se lâchent, hein, par ici. Allez. Voilà, comme ça, moi. Voilà. Le poignet. Du vent de... D'accord, ok. Ah, bien. Perfecto. Bon, ça va, il y en a que deux. Ça sera plus tranquille et plus rapide. Bah écoute, si tu veux, hein, moi ça me dérange pas, hein. Ok, la petite attaque pour faire pouf. Tu m'embêtes. Laisse-moi tranquille. Alors oui, je continue d'upgrade des cartes qui peuvent m'être nécessaires sur d'autres. Ouh, la reine oignon. Équipe un bienfait sur chaque ennemi. Ok. Allez, nouvel ennemi. On va rencontrer 30 des entités d'ombre. The Mandragoras are having the time of their lives. They really wanted to fight a sky pirate, and now they are. Doesn't get any better. Guess I'm stuck being a sky pirate for a while, until this is over at least. That's right. Isn't it fantastic? You can leave the old you behind. Now is the time to focus on your future. This is the new you. Just make up your mind to be like a sky pirate. And keep doing it long enough, and just like that, you'll be a sky pirate. Nothing would make the Mandragoras happier. Kaboom.
It's an interesting philosophy of life, at least. I agree. It would be tempting to just pretend to be something until I am. But I can't. As you know, we Moogles share a common tribal memory. We're all connected. Our history, each other's thoughts and feelings, all tangled together, like it or not. Basically, we're stuck in a rut of our own making. Which is why we Moogles can't just forget who we once were. And become who we want to be. Born a Moogle, die a Moogle, I guess. Sorry about you. We got it rough, I'm not gonna lie. Though it's worth noting that some of us are a little freer than others. Myself, in particular. Kapo. A little freer? He's completely off the hook! Oh, sometimes I wish he could hear me, so I could give him a piece of my mind! Maybe he can hear you, and he's just pretending he can't. Disturbing? La posture ratée, j'ai envie de dire ce mot. Ah, donc on a droit à la reine oignon. Mêle-toi de tes oignons. Ok. A l'air de vouloir en découvrir. Eh ben, ok. Bon, au moins c'est clair, c'est simple, c'est rapide et efficace. Voilà, ennemi de ténèbres. Merci la mission. Mais, je suis ravi de la prendre. Ok, donc là c'est le boss. Quoi ? Ah, on a droit à toutes les missions là. On sait où, déjà où elles sont placées. Après, on va voir comment elles sont reliées. C'est une autre histoire. Ouf aux oignons. Ah. Bon, on va commencer par la montée du berger, bien entendu. Ça paraît évident. Allez hop, la goutte de soma aussi. Comme ça, on se fait plaisir. Ah oui, en plus le machin d'ombre, il file tous les buffs quoi. Hein? Non mais sérieux? Ça s'est rebuff entièrement, non mais... Eh ben dis donc, et que t'en as, c'est que t'avais du stock, dis donc. Ah oups, j'ai oublié de faire ça. C'est pas grave. J'ai pas attaqué l'autre, oh je suis bête. Et implanté dans mon dragon. Ouais. Et un second. Bon, simple, rapide, propre et efficace. Bon là ça va, il n'y a pas les deux. Il n'y en a que deux plus.
Ah bah oui, suis-je bête. Je pouvais pas faire les deux. Ah oui, alors j'utilise pas mal ma carte de lumière, hein, comme vous pouvez le voir. Parce que entre temps est passé le jour Mobius, grâce auquel j'ai réussi à upgrade sa compétence niveau max. Ce qui m'a assez surpris quand même dans l'idée, parce que j'avais assez de de compétences pour tenter deux upgrades et pas trois, et les deux ont fonctionné, donc royal. Et je sens bien que j'aurais tenté de record ça, ben j'aurais eu ah, je vais pas dire un double loupé, mais je pense que j'aurais pas eu grand chose quoi. Ouf. Oui, chaud. Donc du coup, voilà, forcément, vu que ma carte d'ombre est à son niveau de compétence 10 sur 10, ben, autant l'utiliser pour débloquer ses traits manquants, dont notamment le dégât extra. Qu'est-ce que ça fera du bien quand je l'aurai, celle-là aussi. Et ben voilà. Là, on ne demande rien de plus. Ouais, ça c'est dommage. J'aurais dû y songer avant. Oh, ils sont reliés les deux, c'est mignon. Voilà, c'est ça que... Évolution de celle-là. Bon, il me manque un pour la 4 étoiles. C'est pas grave. Mais bon, voilà, ça fait plus d'argent. Si c'est vente automatique du 3 étoiles plutôt que du 4. Allez, verte civière. On y va. Ah, bah, si je commence à perdre la voix. Alors que j'ai pas fini encore de tourner tout ce que j'ai à tourner. Oula. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Attaque réduite, machin truc réduit. Ok, alors déjà. Hein, on va remettre les choses dans leur contexte, toi. Hein. Voilà. Voilà, non mais. Déjà, d'une. C'est moi le patron, c'est pas toi.
Oh. Ah pardon, je croyais que t'étais mort toi aussi. Ah, tu t'étais boosté ta défense, c'est pour ça que t'avais résisté. Bien, bien, bien. Ouais, t'es hypé. Ouh, la maman, la reine. La reine Nian. Nian. Excusez-moi ce craquage, c'est pas volontaire. Et ben voilà. Oui, écoute, on est content. J'ai tout réussi. Pour l'instant. Voilà, la réunion ne nous fait pas peur. Une fractale d'ombre 4 étoiles, pas de problème. Voilà, on devrait profiter de cet event pour upgrade du coup cette carte de lumière de ses traits. Ah ouais, ça va être sympa. Ça va être opérationnel tout ça. Ah pardon. Oula, oula les cocos, on se calme. Donc, il est tout seul lui. Oh, quelle tristesse. On y croit, on y croit. Oui, je vois pourquoi je fais ça, moi. Il faut direct que je fasse la lumière. Sauf s'il n'y a qu'un ennemi, mais bon. Là, c'est bon, on est bien parti. Ils commencent à devenir intelligents, les cocos, quand même. Mais ils commencent. Il dit qu'il est complètement.
Et ben voilà. Eh, hey, Mandragore. Bon, par contre, vous me droppez un petit élément. Ben non, ça va pas. Grande grotte de Zodiarche, d'accord. Je suis en mode, hein, de quoi? C'est quoi que je suis en train de lire là? J'ai pas suivi. Ah, est-ce qu'on va voir le haut juge qui va refaire son apparition? Parce que je sens bien à tous les coups que ça va être ça l'histoire. Voilà, je prends le point qui passe sous la main. Oui, bon, ça c'est pas grave. Le truc qui m'a embêté là, c'est pas... le plus dramatique en soi. Ouais. Oh, le mauvais quoi. Il y a d'eau alors que je sais que mes ennemis sont d'eau quoi. Tout va bien. Allez, plus que deux. Non, ça va, pas de au juge encore, c'est de la prochaine. Ou encore celle d'après.
Bon, maman, dragon. Oui, c'est un moment. Bon. Bah, ça veut toujours pas filer notre compo de mandragore. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un haut juste qui va se pointer. Non, c'est même pas là, mais bon. Ça fait un peu contraignant quand même. Ouh, le petit moine. Ah, pas été d'accord là. Voilà, on bourre. Ah, pardon, j'ai cru que c'était le dernier. Je me suis trompé, on avait encore un autre combat. De l'idée, ça va. Allez. Hop, on n'a pas le temps de perdre du temps. Ah, est-ce que ça ferait une boucle? Ça serait rigolo. Ah, la fameuse racine 3 étoiles. Vous savez qui est compétence x2 et c'est tout. Remember what Moggy was telling us? That bit about Moogles being tied to their past, unable to set out on their own? That too. But I meant the part about changing your life. Not being held back by what you were, or focusing on what you could be. I guess cutting away your past would free you up to do a lot of things, if that were an option. But why'd you ask? Cut away your past, and you're free. I think that's really true. If it were, it would mean that we blanks are truly free. We have no past at all. But it hasn't worked out that way. Because of the laws of Palamecia. It's just battle after battle. Where's the freedom in that? And they've got these annoying fairies flitting around them all the time, whispering things in their ears. That's my ear you're whispering in. True enough. But you're wrong about the cutting away the past thing. It's not about discarding your old memories. It's about changing how you think, how you feel. The point is, you can't change the past. So you shouldn't get hung up on might have beens. You gotta move forward. It's hard to get hung up on might have beens if you don't actually know what might have been. See, that's your hang up. This amnesia thing is your baggage. You've been carrying it around all this time. Wouldn't you if you had amnesia?
Asia. But what if you stopped worrying about it? Accept who you are, massive gaps in memory and all. Maybe that will set you free. That's an interesting idea, Echo. I'd like to believe that's true. Believe it's true or don't believe. It's up to you. Thanks for the pep talk. La petite discussion sympathique entre les deux. Ah non. Il faut faire la boucle. Oh punaise, la fameuse boucle. Et après la mission qui va permettre d'y aller, elle va être... ça va être ouf. Ah. Non. Iris, toi, je te garde pour une autre mission. C'est 4 étoiles, c'est pourri. Mais ça fera le taf. En deux... Oh, il y a pas de... D'accord, bon. Okay. On profite, hein. Oh là là, il y a des deux. Voilà. Parfait. Alors, effet de glace. Faire épée. Ouais, faire épée, hein. Il fait le plus mal, hein. Quand t'as pas de faiblesse particulière. Il y a les franco de cette manière-là. Voilà, un combat très rapide. Finalement, il pourrait être comme ça tous les combats. Et bon, malheureusement, faut pas trop. Garde, tu es utile. Oh là là, le full des breaks, quoi. Oula, il y a du beau monde. Pour une petite mission, il y a du beau monde.
pas mouru. Bon, bah c'est pas grave. C'est qu'un détail. J'achète quoi? Ah, j'ai oublié de faire l'éveil encore. Bon, ça c'était sûr hein, que ça allait être par là. Je me faisais peu d'illusions hein, sur le sujet. Je me doutais bien que ça serait par là. Allez, arène oignon repéré. Grand évangile reste encore de côté, c'est pour le prochain. J'adore quand ils sont aussi nombreux. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Oulala, oulala. Non mais saleté. Oh punaise le... Oh la catastrophe quoi. Que c'est un kikinin cette histoire.
Oula. C'est ultime. Temps de lumière. Résident. Allez, on y retourne. Hein. Rien qu'à faire. Bah, j'adore me... Allez. Oh mince, pourquoi j'ai fait ça? Allez, la reine, la fameuse. Allez, il y a tout plein de monde. Alors, un petit peu... Nous avons annihilé la reine oignon. Un nouveau record, ouais. C'était long. Alcide et 9, 20 auto direct. Pas savoir. Alors, obtention 2. L'assaut de la reine oignon. Avec 3 cristaux. Judge Magister with them. I'm ready. And you? Me? Ready? Ha! I was born ready.
C'est une bonne question, Echo. Hein. En principe, il doit parler au, il doit parler à nous, hein. Le héros, mais bon. Vu qu'il est un petit peu dans son monde, on sait pas trop. Et bloquer la route. Alors. Qu'est-ce que ça dit ? Non, pas de boss à l'horizon. Boss d'éléments lumière. On va partir avec les armes fantômes, hein, pour une fois. Ça, le boss final de celui-là, on va le tomber en deux temps trois mouvements. Non, je peux partir là-dessus. Porter les attaques, tout ce qu'il y a de plus normal. Et allez. Bon. Ouais, c'était un petit boss quoi. Voilà, comme ça, ça n'en prend plus. Allez, le petit vaisseau, on va aller vers la dernière île. Ah, oui, bien. Je vais nous voir que j'ai encore zappé. Donc, un petit esprit et la reine oignon, la carte des pirates du ciel. Je pense que la dernière île va être d'une longue épopée. Oh, déjà là ? Donc, voilà, donc tous les petits esprits des mandragores sont d'ici. Donc le potiron star, le capitaine tomate, le roi Alron, le prince mandragore et la reine oignon. Carte d'évolution. Avec elle, non ? L'évolution de la. Oui ? Ok, bon. Allez, on va partir faire Marilis repérée. Ah.
Ah, génial. Ça commence bien. Sympathique, hein, à toujours faire des leurs, hein, quand même. Voilà, allez, combat 3. Juste avant Marylis. Allez, petite Marylis. Voilà, on a une ulti, autant l'utiliser. Hein. Bon, j'aurais pu très bien réussir sans, mais bon. Je voulais un peu. Merci. En plat du mouvement, d'accord. Et un ticket complet. Voilà, je ne vais pas faire ça, traîner ça plus longtemps. Donc voilà, nous arrivons enfin sur la dernière île. Est-ce que qui dit dernière île dit dernier épisode? La prochaine, donc demain. Eh bien la réponse, ça sera à ce moment-là, bien entendu. Donc sur ce, donc je vous laisse sur cet épisode. Je vous retrouve donc demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt tout le monde.